Bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes de nouveau en direct de l'Imperial Palace, du Hip Jazz Club. Là, on est dans le restaurant gastronomique cette fois-ci. Et on a encore notre VIP mensuel. Et nous recevons, ce n'est pas une inconnue, nous recevons Émilie Hédoux, que vous aviez pu apprécier l'année dernière pour le Festival d'Annecy avec Soul Sérénade. Elle avait chanté deux paroles et c'était le feu dans la salle. Donc, merci, on nous l'a Christine. Vivement redemandé. Et puis, il s'avère qu'elle a un trio de... Alors, j'ai vu blues, soul... Tu m'expliques, ça fait combien de temps que tu as ce trio ? Ça s'est monté comment ? Écoute, ça s'est monté parce que dedans, j'ai un ami d'enfance, donc Nicolas Blampin, fameux guitariste, qui accompagne notamment Eric Gombard, donc spécialiste du picking. Donc, on reprend des titres de soul, blues, jazz, mais on fait aussi de la composition, qui va aussi autour de ça. Donc, on reste dans le thème, on écrit en anglais. Et on reprend des titres de Nina Simone, Janis Joplin. On a toujours quand même le style Emily. Ah bah complètement. Parce que je crois que je t'ai vu à la guitare. À la guitare. Ah d'accord. Il y a une petite surprise à la contrebasse aussi. Ah oui, tu verras. Carrément. Vous changez d'instrument, les autres non, non. Non, les autres ils bougent pas. Non, ils sont normaux quoi. Ils sont normaux. Polyvalents. Oui, voilà. D'accord, ok. Donc ça fait combien de temps que c'est créé ce... D'abord ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Emily Hédoux Trio. Simplement. Voilà, c'est moi la patronne. D'accord. Tout simplement. J'adore. Voilà, et écoute, ça fait 4 ans que ça existe. Ah oui, d'accord. Voilà, et on développe, là on est vraiment sur un projet de composition. On va tourner un clip, là on va enregistrer un petit EP de 5 titres au mois de juin. Va suivre un clip, et donc à suivre, on va viser les tremplins. D'accord. Blues. Donc vous faites des festivals aussi, des petites salles, vous faites des soirées privées, vous faites un oui, peu tout. Oui, on fait un peu tout. Très on bien. Fait un peu tout. Très bien. Donc en fait, alors qu'est-ce qui est mis en évidence dans ce trio ? C'est d'abord ta personnalité, ta voix, qui est quand même aussi. Oui, la voix, mais est-ce c'est qu'ils vraiment. Ont autant la pêche que toi, les musiciens. Ah ben complètement, tu vas voir. Complètement, c'est ça. Oui, c'est ça le truc. J'ai le guitariste qui me fait. Ouais. Ça va être multiplié par 3. Alors le guitariste, je crois que c'est la première fois qu'il vient à Annecy. C'est la première fois qu'il vient à Annecy, Nico. Le mais non. Laurent Vanet est déjà venu. Alors normalement, c'est Brahim Aïwani. Ouais. Donc il y a 3 fortes personnalités quand même sur scène. C'est très ping-pong, ça parle beaucoup, ça rigole. D'accord. Voilà, mais à côté de ça, ça joue. Est-ce qu'avec ce trio, parce que bon, on a toujours un petit peu des envies. Est-ce qu'avec ce trio, t'aimerais faire vraiment un truc particulier ou te produire dans telle salle ou un truc vraiment un petit rêve? Ah bah ouais. Déjà moi j'ai un rêve. Enfin j'aimerais bien faire jazz à Vienne. Ouais, carrément. Tu vois, voilà. Ouais. Non, mais c'est un objectif. Exactement. Mais ah ouais. Être là, en tête d'affiche, avec nos compositions. Très bien. Donc, si on veut voir ton trio, c'est sur Facebook. Sur Facebook. Et on a un site, www.emiliehedoutrio.com. Avec un H. D'accord. Voilà. Alors, après, tu as d'autres formations aussi, quand même, toujours ? Je tourne toujours avec Soul Sérénade. Très bien. Donc, le tribut t'arrête à Franklin. Tu fais du théâtre aussi. Je fais du théâtre musical. Parce qu'elle était revenue à Annecy pour le festival de. Avec carnet de notes. Avec carnet de notes. D'accord. Voilà, exactement. Alors dis-moi juste, parce que c'est intéressant, il y a des gens qui veulent savoir, t'es maman. Oui, t'es je suis maman. Maman. Ça va, tu gères ? Je gère. Super. Tu gères super. C'est pas facile quand même pour une femme. Non, c'est pas facile. Après, je pars beaucoup, mais je reviens vite quand même. Je pars pas encore pendant de trop longues périodes. Ça ouais. va. Ma petite, elle a 3 ans et demi, donc elle est rentrée à l'école, tout va bien, il y a le papa super. Qui gère, bien. Le papy, la mamie, tout et va bien. Et dis-moi, dans tes compos, c'est quoi, c'est swing ou c'est binaire, c'est ternaire, c'est quoi ? C'est blues. Assez blues quand même. C'est quand même assez binaire et c'est très féministe. Ça fait longtemps que tu chantes ? Oui. Ça fait très longtemps. Ça fait 20 ans. Dis, pour les chanteuses, t'as pris des cours ou bon, à la base c'était sympa. J'ai... Puis tu as essayé de revoir des trucs techniques. Un oui, peu j'ai ça. Pris des cours après. Après, pour oui. des problèmes que t'avais que tu voulais oui, résoudre. Oui, beaucoup. J'ai perdu ma voix moi un moment. Ah oui. Ah bah sans technique, je pense que tu vas pas trop loin quand même. Très Donc bien. J'ai pris des cours après. Donc ce soir c'est encore plein. Voilà, la prochaine fois nous allons recevoir un super groupe de swing. Ça va être un peu la folie. Et puis après, on aura une Canadienne qui va venir, Sonia Johnson, qui était là l'année dernière aussi. Et puis beaucoup de surprises pour l'année prochaine. Donc écoute, on te remercie. On va attaquer à 19h30. Je crois, Géraldine, c'est complet ce soir. Donc les gens ne peuvent pas venir, c'est complet. Vous allez vous faire refouler. Venez quand même, je vais essayer de vous placer quand même. Je vous remercie à tous, merci à toute l'équipe. C'est Géraldine ce soir qui filmait. C'est vraiment, on est vraiment des femmes polyvalentes. Et voilà. Voilà. Et ben merci écoute, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Oh, je partage. J'abrouille.